Yo les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un jeu très spécial qui s'appelle Baby in Yellow, un bébé en jaune comme vous voyez en haut. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et nous on y va, let's go. Bon les gars, je suis arrivé. Alors normalement c'est le numéro 10. Ah oui, les babysitters viennent de m'envoyer un message parce que j'avais oublié le numéro. Voilà, c'est bon. J'ai pas trompé. Bien, change les clés. Regardez-moi ce bébé là. Regardez-le quoi. Ce bébé maléfique. Ses gros yeux là, orbiteux. What. Donc les gars, plus sérieusement, bah le but c'est qu'on est babysitter, on va dire, et qu'il va se passer des petites dingueries, hein. C'est comme ça que je vais le dire. Donc, nourrir le bébé, lui donner la bouteille. Je pense que c'est la fameuse bouteille de lait. Allez mon petit gars. Ah oui, il l'a bu. C'est instant de dessus. Non mais, c'est quoi ce bébé là? Il s'est fait directement dessus. Bon, j'ai refermé le frigo parce que voilà, hein. Quand je reste propre, pas comme ce bébé qui vient actuellement l'ingurgiter son truc en une demi-seconde. On va lui mettre cette petite couche. What the fuck? Attends, what vient de... Il est là-bas. Pourquoi tu t'es téléporté? Oula, tu t'es téléporté. Oui, j'ai du mal à parler et tu te moques de moi, c'est ça le problème. Je t'en prends une, hein. Je te le dis. C'est quoi ça? C'est un panier? Ça va vraiment. Faire du basket avec le bébé. Ah, vous inquiétez pas, je prends soin du bébé, hein. Bon, allez, on va te mettre au lit. En plus, il rigole. Une bonne action que je fais, quoi. Donc, une famille sinistre. Il y a tout qui est fermé et tout. On voit rien dehors. Bon. Oui, c'est là. Allez, dors bien. Ah, ok, je voulais lire une petite histoire. Attends, j'ai vu les peluches, là. Oh, on peut le prendre. Oh, le petit chat. Je vais lui donner le petit chat. Il a bien dormi le petit chacal. En plus, c'est un chat, c'est parfait. Oui, donc je pense que oui, c'est en anglais. Et que le mec a une magnifique voix. Donc, pour ceux qui veulent voir, bah, vous pourrez pas voir parce que j'ai carrément la flemme de lire en fait. Et j'ai pas envie de laisser la page pendant 10 minutes. On sait qu'en bon nouvel en anglais, je vous mettrai en sous-titre aussi. Pour ceux qui veulent lire, juste fait. Allez, bien. Ok, voilà. Ah, la madame, elle est pas très sympa, là. Ah oui, du bruit, le livre, quand même. Le chacal, il dort d'un coup. Bon. Allez. On va aller regarder la télé. La petite soirée chill Netflix. Ah, j'ai vu un truc. Âme gratuite. What the... Ok. Je pense que il y en aura plusieurs à prendre. C'est quand même bizarre de ramasser des âmes. Bon. Mince, je me suis endormi. Bon, par contre, il regarde beaucoup de choses. Hein. L'écran, il est orange. Waouh, ça brûle les yeux. C'est pas le truc que ça fait. Oui, j'y arrive. Il a réussi à ouvrir la porte. Il n'est plus là. Enfin, son chat, il est au coin, quoi. Il est là. What? Ça m'a fait trop peur, mais c'était quoi ce bruit? C'était la ventilation, mais faut changer de ventilation là. The key, tout secrète. Ah ouais, c'est très bien protégé quand même. Hein. Mais il est où? Ah, il y a encore ça là. Attends, quoi? Je suis pas trop sûr que je suis censé aller là, mais. C'est où là? C'est bizarre cette salle. Look closer. What the fuck? Ah, je peux pas trop aller pour mettre le bébé au lit là. Il y a un chat. Ah, c'est ça les traces bleues. Le black cat approche. What?
Ah, je pense que c'est pour les mises à jour, ok. Ah, j'ai eu trop peur, je me dis, c'est quoi cette dinguerie là? J'espère qu'il va pas monter en haut. Bon, je pense qu'il doit être en bas. Oula, non. Ah, il est là. Qu'est-ce que tu fais en bas là? Tu vas arrêter de te téléporter? Non, parce que. Je veux bien que t'aies le bébé du chétan, mais faut se calmer, hein. Il y a ton petit chat là. Mince, faut pas que je m'enferme avec lui. On laisse dormir. Voilà, là on va pouvoir chill. Non mais me saoule ce bébé. Bon, allez. Petite soirée Netflix. J'espère ne pas m'endormir encore une fois. Ok, c'est la nuit 2. Bon les gars, on fait la journée 2. Journée 2. Ce bébé me fait quand même un peu peur. Hein. Il fait des trucs bizarres. Qu'est-ce qu'il voulait le bébé? Je suis encore endormi. Encore. Bah, sympa le frigo là. Heureusement. Il est où le biberon? La porte elle est fermée. Wow, c'est quoi cette poubelle là? Un aspirateur dans la poubelle. Ouais, mais je fais quoi? Ah, je pense qu'il faut trouver le biberon. Oh, il est là. Oh là là, ce petit malin. Il vient m'embêter, quoi. Bon, allez, on va encore te changer. Tac. Wow. Attends, quoi? Sa couche, elle a des yeux et tout. Reviens là, la couche. Je t'ai vu, je suis pas bête. Putain, comment elle cavale, là. C'est vraiment une couche, ça se barre. Je ferme la porte. Allez, let's go. Je ferme la porte, tu fais comment? Ah, il peut ouvrir les portes, quoi? Oh, il a ouvert la porte des parents? Oh bah, chier. C'est quoi ça? Un cas d'urgence, casser la vitre. Oh, ça fait peur, ça. Une petite tétine, là. Elle a l'air diabolique, cette tétine. Bon. Allez, on va lui mettre sa petite couche. Il m'a arrêté de faire des blagues pourries, là. Allez. Va aller te coucher. Ah, ça, il me faut encore 4 âmes. Très bizarre quand même, hein. Je sais pas qu'on était des visiteurs, il fallait des âmes. Ok, allez. Tu veux ton petit doudou? Cette fois, je te donne le lapin, le wabbit. En plus, c'est la même, c'est l'histoire du rabbit aussi. Allez, let's go. Ok, la madame, elle est pas sympa. Et qui? Pourquoi tu m'as balancé le livre, toi? Qui l'a foutu, là? Ah, ça fait marrer. Ok, le lapin se fait victimiser, quoi. Ok, ok. Ça sent bizarre, quand même, ces histoires. Elles finissent pas très bien. Hein. Oh, il y en a un caché, là. Pick up, vas-y. Et attends, il ronfle. Tiens, je sais pas tout. À quel moment le bébé, il ronfle comme ça? J'ai tout lui passé. Allez, tiens. Je te donne ça aussi. Allez, moi, je vais aller chiller. Oh. C'est peut-être les parents. Attends, quoi? Un toast 4000. Ok. Je savais pas que j'avais commandé ça. Pour faire des bons petits trucs là. Des bons petits croque-monsieur et tout. Ah bah on va pas manger. J'ai faim moi. Déjà la nuit 3. Je veux que tu vois mes rêves. Bon, c'est ma traduction hein. Pas trop sûr de ce que je dis mais. Ah allez, on va aller le réveiller le coquin. Il a encore fait des conneries, puis la porte elle est encore ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok, il était juste pas content. Ah là on pourra se faire un petit truc. Ok, ok, le petit toaster 2000, enfin 4000. Pourquoi c'est mieux 4000? Donc à une petite tranche. Ok. Ah oui, on a des trucs là. Alors moi je vais vous faire ma petite recette. Voilà. On va mettre ça, je pense que c'est de la dinde, je sais pas. Excusez. En tout cas, c'est bon. En tout cas, c'est bon. Donc, est-ce que je peux faire cuire des œufs? Parce que je vois qu'il y a des œufs. Mais... Ouais, ça part totalement en cuisine. Mais... Salut les amis! Moi, j'ai envie de me faire cuire un œuf. Il y a des bonnes protéines. Attends, quoi? Faire une louche? Faire quoi avec une louche? Dans la poêle, on peut pas la prendre. Genre, le seul truc qui sert à rien, c'est pourquoi j'ai ça? Tu veux que je prenne quoi? Bon, on va mettre. Des oignons, ultra gourmand, on va en remettre ça. Bon, les oignons, hein, faut faire gaffe, hein, parce que hein, je peux te dire que tu lâches des bombasses avec ça. On a un peu de tomates, c'est bon les tomates. Voilà. Il
un peu beaucoup de tranches de dinde, un peu de cornichon, parce que du cornichon c'est bon, surtout avec ce fromage là, tous les fromages là de magasins qui ont pas de goût, un truc en tranche là, allez, nous, on va se faire ça. Maître Hôtel, c'est pour les étudiants de table 55. Petit carré en plus, ça c'est cool. What the... Moi à la base je voulais faire mon petit toast et je viens de me prendre une bombe dans la gueule quoi. Hein, je prends un flash dans la gueule quoi. Ok. Et il se passe des trucs bizarres. Je fais exploser un toast. Maintenant il y a écrit nourris-moi. Ok. Non. Récupérer ce petit lait, c'est ce qu'il veut. Ah, ah bah non, en fait, on explore le frigo, ce magnifique frigo. Ça, non, mais dis pas que c'est un labyrinthe, un fil. Non, c'est bon. Non, ils ont refermé la porte. Non, attends, quoi? Je reviens de là. Ok, oh, attends. Oh, mais regarde-moi cette tête! J'ai plus trop peur là! La musique surtout! Bon, là, c'est à la wall again, je te pose là. Ah, mais faut le mettre. Je suis obligé de le mettre là en fait. Peut-être moi je fais bien les bons trucs au début, mais après je l'appuie quoi. Ça fait trop peur! Oh, le bébé du chétan! Ok, faut que je fasse quoi? Ah oui, il faut le la technique d'urgence. Go go go, la technique d'urgence. Faut faire deux temps, faut pas faire deux temps. Non non non, faut prendre la technique d'urgence. Attends, il y a une âme. Voilà. Peu importe quoi. Douce bébé maléfique. Prends ta technique. Ah oui. C'est violent quand même. Faut que tu les joues partout. Il est qu'un, il dort sur la porte du rêve. Ah, là aussi une âme. Pourquoi il y a encore ces trucs là? Peut-être que je peux ouvrir ça, mais il m'en manque une. Sérieusement, faut que j'aille le mettre dans son lit. Ouais, dans son lit. Oh là. Ah ouais, il est cool ton rêve là. Va valoir une petite histoire. Je me mets à côté là. Et... Ah. C'était rapide l'histoire. Oui, bébé, je vais te mettre. Allez, je te mets au lit. Oui, oui. Bizarrement, t'as tout remis, toi. Je te mets tout. Bah, t'as fait disparaître le lapin. Bon, l'histoire du mouton, hein. La madame, elle est pas très sympa. Elle fait des trucs bizarres aux animaux. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Good night. Bonne nuit. Sortie débloquée. Suivez le lapin blanc. Sauvez-vous du bébé. Bon les gars, si vous voulez une suite, dites-le moi en commentaire. C'était vraiment spécial pour cette chaîne. On change vraiment de jeu. Là j'étais plus sur ma PS5, j'étais sur le PC. Et les gars, c'était vraiment c'était pas non plus ultra flippant, mais quand même, le petit screamer il m'a fait un petit pincement au cœur quoi. Bon, j'espère que ça vous aura plu les gars. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez une suite. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines notifs de mes prochaines vidéos. Et les gars, moi je vous dis à plus dans le bus.